Bonjour, bienvenue sur les salons Studirama à Grande École. Je reçois Charlotte Fradet, responsable communication des concours Écricom. Bonjour Charlotte. Bonjour Karine. Les concours Écricom, en quelques mots, et pour quel public ? Les concours Écricom sont nombreux. Nous avons d'abord le concours pour les classes préparatoires qui est le plus connu, classe préparatoire économique et commerciale ou le concours pour les classes préparatoires littéraires. Nous avons aussi un concours pour les admissions parallèles qui s'appelle le concours Écricom Tremplin. Tremplin 1 pour les Bac plus 2 et Tremplin 2 pour les Bac plus 3 et 4. Et le concours Écricom Bachelor qui est directement après la terminale pour un programme en 3 ans. Alors, cette année, vous innovez, vous apportez quelques innovations au concours. Quelles sont-elles ? D'abord, désormais, les concours sont totalement gratuits pour les candidats qui sont boursiers en dehors des tests de la FNEJ, que ce soit le test stage MAJ, stage 2 ou post-bac. Donc un vrai effort social pour envers les candidats. Et ensuite, nous avons des outils de préparation totalement gratuits, à la fois accessibles sur notre site web à travers le hub Écricom, où vous avez des annales, des vidéos pour se préparer, des conseils pour les épreuves écrites et orales, mais aussi sur notre application Concours Écricom, où là, vous avez aussi des quiz et pour les classes préparatoires, des citations sur le thème de culture générale. Donc on y retrouve toutes les ficelles pour réussir les concours. Vous avez des journées de préparation également ? Tout à fait. Les écoles proposent des journées de présentation des concours dans leur campus et une journée de présentation des concours tremplin à Paris. Que peut-on y trouver ? Qui conseille les candidats ? Alors, ce sont des professeurs qui connaissent bien les épreuves, qui vont donner des conseils de préparation et de révision. C'est aussi des étudiants qui ont eux-mêmes passé le concours et qui l'ont réussi, qui vont donner leurs propres conseils. Les grandes dates des concours Écricom 2016 en l'occurrence, oui. Alors les concours commencent pour les inscriptions le 6 décembre, que ce soit pour le concours Écricom prépa et littéraire ou pour le concours Écricom tremplin. Pour les classes préparatoires, les inscriptions se terminent le 10 janvier. Et pour le concours Écricom tremplin, les inscriptions se terminent le 28 mars 2016. Pour le concours Écricom Bachelor, comme l'inscription se fait dans admission post-bac, il faut s'inscrire entre le 20 janvier et le 20 mars et finaliser son dossier avant le 2 avril 2016. D'accord, donc là c'est une procédure que tous les terminales doivent suivre. C'est un des seuls concours qui est sur le concours APB, enfin sur la procédure APB. On choisit une école tout de suite ? Tout de suite, on peut choisir une école et même pour les écoles, le campus où on souhaite intégrer, puisque là nous avons 10 campus, 10 villes qui sont proposées avec le concours Écricom Bachelor. Nous avons Isen Business School qui propose le campus de Nancy et de Metz, Neoma Business School qui propose le campus de Reims et de Rouen, et Ketch Business School qui est présent sur Bordeaux et Marseille, mais aussi sur Avignon, Bastia, Bayonne et Toulon. Quant à tremplin et prépa, c'est sur le site Écricom. Oui, tout se fait en direct sur le site Écricom. Charlotte, merci.